Bonjour, présentation d'un petit PC que j'ai commandé. Donc une carte mère récente, neuf. Donc je vais faire montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc il y a une petite carte mère avec un processeur et de la RAM, le tout pour moins de 100 euros. Donc j'ai commandé sur AliExpress. Donc bah, on a les vis hein, pour le boîtier. On a la petite le pros. Là, on a les deux barrettes de RAM. Donc c'est 16 Go. Ensuite, on a un petit câble SATA, et la carte mère et le truc pour mettre derrière. Donc voilà pour la carte mère. Je vais déballer et vous faire montrer. Donc c'est celle-ci. Il n'y a pas vraiment de modèle. Hein. C'est juste une carte mère basique. Alors, qu'est-ce que c'est que ce PC? Donc là, je n'avais pas de PC récemment, à part des tablettes et des ordi portables. Donc pas très très puissant. C'est plutôt jeune comme PC. Donc là, j'ai acheté une carte mère qu'on voit avec un processeur déjà vendu avec. Hein, parce qu'une carte mère, pas si cher que ça, c'est 49 euros les premiers prix. Mais bon, les processeurs, ils sont à 200. Donc j'ai pas envie de payer 200 juste pour un processeur. Donc voilà, le problème, c'est que les cartes mères où on trouve des processeurs à 10 euros sur Internet, ils les vendent pas en France. Donc voilà, si c'est pour mettre 200 euros dans un processeur, juste le processeur, parce que le premier processeur AMD, il est à plus de 150 euros, voilà, c'est un peu de l'arnaque. Alors qu'avant, on trouvait des pros à 60 euros, des Pentium, à l'époque, il y a 15 ans, quoi. Maintenant, on trouve toujours les cartes mères au même prix, mais on ne trouve pas les processeurs à bon prix, à moins de taper dans l'occasion, mais bon. Voilà, après, il faut s'y connaître. Donc, c'est un processeur Xeon. Il coûtait à l'époque en 2013 quand il est sorti à peu près 500 euros à peu près, hein. Donc c'est quand même du milieu de gamme pour du Xeon, mais c'est du haut de gamme pour un PC récent. C'est quand même assez puissant. Donc bah voilà, j'ai ça, j'ai le la RAM. Bon, c'est de la RAM en plus, il y a 16 Go de RAM en 4 barrettes. Donc c'est pas du tout négligeable hein, pour le prix, sachant qu'une barrette ça coûte quand même minimum 30 euros, 20 euros si vous savez la trouver. Et là j'ai deux barrettes Samsung de 4 Go en DDR3, c'est de la 666 je pense, ou de la 533. Enfin, ils doublent à chaque fois, hein, ils disent que c'est de la 1000, hein, mais bon, vous savez, hein, la DDR, c'est toujours doublé, le transfert est toujours doublé. Donc quand on vous dit que c'est de la 666, ben, c'est de la 1333. Quand on vous dit que c'est de la 1600, ben, c'est de la 800, etc., etc. Idem pour la DDR4. Donc c'est une RAM EEC. Hein, on voit bien qu'il y a plus de puces. Il y a une petite puce ici au milieu, là. On voit qu'il y a une petite puce en plus. Là, on va mieux la voir. Donc, voilà. Il y a les ici. Donc, il y en a 8 et une en plus. Donc, c'est bien une mémoire EEC. Donc, là, ben, j'en ai encore une ici. Deux ici que j'ai pas déballé. Alors, je ne sais pas si c'est les mêmes. À mon avis, c'est les mêmes barrettes. Voilà. Il ne me reste plus beaucoup de temps pour la vidéo. Alors. Voilà, on va la déballer. Voilà. Pour le moment, ça devrait être la même marque. Je pense pas qu'ils vont mélanger des marques différentes. Donc c'est aussi de la 4 Go PC DDR3.
Voilà. Donc je vais en mettre 4, hein, parce que c'est toujours mieux de bourrer les ports. Bourrer les ports ici, c'est toujours mieux que 1. Parce que quand vous mettez deux grosses barrettes, ben, vous ne bénéficiez pas de la puissance ici, parce que c'est du dual. C'est mieux de faire du dual sur 4 que du dual sur 2. Donc là, bon ben voilà, la carte sera placée comme ça, ici. Voilà. Donc c'est un petit test, hein. Pour l'instant, ben, j'ai pas de ventilo. Malheureusement, j'ai pas de ventilo, c'est pas compatible. Donc on va falloir encore investir dans un petit ventilo. J'espère que ça coûtera pas trop cher, parce que les trucs en couleur, bon, c'est un peu de la merde. J'en ai rien à foutre. Donc qu'est-ce que j'avais encore à dire? Ben, une petite pile ici à mettre. On voit qu'il y a un petit port M2 ici. Alors M2, il est SATA et NVMe, avec bien sûr les jumpers ici à régler. On voit qu'il y a un petit menu ici pour régler soit en SATA, soit en NVMe, parce que bon, les SATA et les NVMe, la piste elle n'est pas du même côté. Il faut un NVMe, elle est à gauche ici, et quand vous prenez un pur SATA, il n'est que à droite. Et là, il existe des SATA avec à droite et à gauche, sinon il ne rentrera pas, vu que le clips, il va taper, l'encoche, ça va taper ici. Donc faut à la limite un SATA avec deux broches de chaque côté plus une broche centrale. Bon, un SATA c'est pas très utile là-dessus puisqu'il y a déjà des ports SATA. NVMe à voir si c'est pas trop cher, mais bon, pour l'instant c'est pas trop le truc. Puisque de toute façon ce PC là il va pratiquement pas me servir pour fonctionner, ça va servir en mineur. Donc j'en ai un peu rien à foutre qui démarre en 5 minutes ou qui démarre en 10 secondes. Qu'est-ce que je peux dire encore, c'est qu'il y a des ports USB, il y a 8 ports USB, donc USB 2. Bon, je ne vais pas faire de transfert avec, on peut toujours rajouter une petite carte USB 3 ici. On trouve que la carte n'est pas si mal que ça, on est équipé de ports, encore en port USB ici en plus, si on veut en rajouter, donc on peut en rajouter encore 4. Donc ça ferait 12 ports. Là on a un port série au cas où, là les ports classiques pour brancher l'ordi. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un port audio ici. Non mais franchement la carte est quand même pas mal équipée de fonctions. Bon, il n'y a pas beaucoup de ports PCI, mais bon, on peut toujours rajouter une carte ici. Une carte pour dévier le port et le mettre plus loin. C'est un peu serré. Le processeur, ben, c'est du gros corps, hein. c'est du Xeon. Donc là je sais pas si on voit bien, mais c'est un Xeon 26 watts, donc c'est pas le top du Xeon, ça doit être le premier ou deuxième de la gamme. C'est pas le plus bas, hein, puisque c'est un 6 corps, donc c'est pas le plus bas, il y a des 4 corps. Voilà, là bon bah là on a le port P8, P4, mais en 8 pins, mais je pense qu'en 2 pins ça peut marcher. Il me semble que ça peut marcher parce que quand on voit les soudures, ben, c'est le même. Hein, c'est tout des plus ici et des moins de ce côté-ci, des moins vers le bas. Donc c'est juste pour une reprise d'ampérage. Donc je suis déjà à 8 minutes de vidéo. Donc je crois que je vais arrêter là. Et puis pour vous dire que je repasserai faire une autre vidéo pour. Montrer un petit peu quand il y aura plus de trucs installés, parce que là je suis un petit peu bloqué. Je peux pas mettre mon ancien dissipateur qui était celui-là, le Thermaltake, parce que en fait ça tape ici quand on met ça. Bah, ça tape là. Alors à moins de. Ça touche pas vraiment, il y a du jeu, voilà. Tu vois. Donc à moins de plier cette petite broche ici, identique, là pour le faire fonctionner, je vois pas vraiment comment je peux le faire fonctionner. Et puis ensuite il y a le problème de la graphe qui est ici sur ce truc là, la graphe prend la plaque fait ça, et du coup il faudrait plier la plaque pour qu'elle rentre absolument ici. Bon, je verrai si ça peut marcher. Sinon, bah, je rachèterai un nouveau pros.
Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.